Bonjour et bienvenue dans cette séquence fitness où ensemble on va bouger pendant 30 minutes sur un rythme de Makossa. Ce sera chaud. Je sais que tu es prête pour t'amuser, pour prendre du plaisir, pour bouger en festoyant, on va dire comme ça. Alors pour cette séance, tu as besoin de rien, juste ton corps, même sans chaussures, sans tennis, c'est possible. Parce qu'on travaille en mode low impact, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de grands sauts. Donc, tes articulations et ton dos sont protégés à 100%. Je te prie d'avoir de l'eau à côté de toi pour boire au moins pendant la séquence de pause. C'est important de pouvoir t'hydrater. Alors, cette séance, vraiment, c'est pour les personnes obèses en surpoids qui, pour la plupart, ont du mal à faire des choses trop intenses. Donc, si elle est trop faible pour toi pendant les mouvements, tu augmentes un peu ton intensité. Si elle est trop basse aussi, si elle est trop rapide pour toi, trop intense pour toi, pendant les exercices aussi, tu baisses un petit peu l'intensité. Si tu vas à l'au-delà de cette séance pour te faire encourager, rejoins ma communauté, rejoins-moi, bien, je vais t'encourager en cliquant sur le lien qui est dans la description. Ceci étant dit, on y va tout de suite. Thank you.
J'ai découvert, 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 j'
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bravo à toi, bravo à moi. C'est pas évident. Je t'assure que sur la deuxième partie après la pause, pour l'instant, je suis encore un peu essoufflé. Mais ce n'est qu'en pratiquant au fur et à mesure que nous tous on va gagner en endurance, ok? Donc courage à toi. Si tu n'y arrives pas toujours et que parfois tu as besoin de te reposer pendant la séance, c'est pas grave. Ne te laisse pas décourager. Mais alors pas du tout. Ne te laisse jamais décourager. Et challenge-toi simplement à faire un peu mieux à chaque fois. C'est vraiment chacun à son niveau. Le plus important n'est pas d'être performant. Le plus important, c'est d'être régulier et d'être consistant. Moi, j'ai décidé de t'accompagner pendant un an où je te propose des vidéos là, des vidéos fun comme ça, tous les samedis à 6h. Donc, connecte-toi et profite aussi pour aller au-delà de cette séance en rejoignant ma communauté en cliquant sur le lien en dessous. Et partage aussi à tous ceux qui sont autour de toi pour qu'on sente vraiment au sein de cette génération 2.0 qu'on bouge un peu plus pour maintenir notre corps en santé. C'est très important. Et au-delà de cette séance, s'il te plaît, fais attention à ce que tu manges. Parce que malheureusement, le sport n'est pas si maigrique que ça. Le plus important, le challenge, c'est dans le plat. Donc quand tu as fait une séance comme celle-ci, ne va pas te gaver sous prétexte que tu as fait du sport. Continue à manger normalement, parce que si tu ne crées pas de déficit calorique, bah écoute, tu ne vas pas mincir. Et le sport a tendance à créer ce que j'appelle des biais mentaux, où en fait, il y a une partie de toi qui te dit, parce que tu as fait sport, tu as le droit de te permettre de manger tout et n'importe quoi. Et au final, tu fais du sport, mais tu grossis. Et après, je te plains, je te demande, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais c'est juste que pour avoir cru que tu faisais trop de sport, tu es allé manger un peu plus. Et du coup, à la fin, tu as eu des résultats contraires à ce à quoi tu t'attendais. Qu'est-ce que je vais te dire encore? Laisse-moi en commentaire aussi ce que tu en penses pour me permettre de m'améliorer afin de mieux te servir. Reviens le samedi prochain et partage avec moi d'autres musiques, hein, d'autres musiques fun, d'autres musiques dansantes sur lesquelles tu penses qu'on peut pouvoir s'amuser. Laisse-moi le titre et l'auteur. Je mets des musiques simplement parce que c'est quand on s'amuse que ça devient plus simple et on a envie de revenir. C'est toute la stratégie de cette chaîne. Écoute, j'en ai assez parlé, on va s'arrêter pour la journée. Je te souhaite une bonne journée, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, tu prends soin de toi et que Dieu te bénisse. Bisous.